En ce moment, c'est la pleine saison des pluies ici à La Réunion. Du coup, qui dit saison des pluies dit que les cascades sont pleines. Et là, aujourd'hui, il fait beau, que j'ai de la chance. En plus de ça, j'ai une grosse annonce à faire, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, je suis en train d'aller voir les trois bassins. C'est à Saint-Gilles. Et donc en fait, il y a deux bassins où il y a des cascades et un autre bassin où il n'y a pas de cascade, je crois. C'est une rando qui est fermée parce qu'elle n'est plus trop praticable. Et apparemment, il y en a certains qui sont assez durs d'accès. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Ok, bah, un truc qui ressemble à une cascade. Et putain, c'est pas dégueu, hein. Oh, oh là là, regardez ça. Ouf. Bon, par contre, il y a une barrière, donc il va falloir passer ça, hein. Où est-ce qu'on passe? Bon, évidemment, c'est fermé. Bon, quand je vous disais que la rando était fermée, mais bon, je suis pas le premier apparemment vu le chemin qu'il y a. J'ai juste à suivre les traces et ça devrait le faire. Yeah. Et voilà, je suis passé. Bon, j'ai connu plus dur, hein. Ah là là. Ouais, ils ont même mis des cordes et tout pour descendre. Oh bah c'est super bien adapté. Pas ce que je suis en train de faire là, mais j'espère que ça va m'amener quelque part et que ça va être cool. Yeah. Juste devant la cascade là, il y a plein de monde, donc j'essaye de m'éloigner un peu. Wouhou. Oh ouais, on est bien là. Oh ouais, et là il y a personne. Wouhou. Bon, je suis pas sûr qu'on m'entende très bien parce qu'il y a beaucoup de bruit avec la cascade. Franchement, c'est impressionnant, il y a du débit de fou, donc ça se voit qu'on est en saison des pluies, qu'il a bien plu ces derniers jours parce que c'est impressionnant, hein, franchement. Allez, on va essayer de se trouver un endroit un peu moins bruyant pour pouvoir parler tous ensemble. Parce que je vous répète, j'ai une annonce à vous faire. Allez, on est parti pour le deuxième bassin. Let's go! Wow. C'est en effet ce qu'on peut appeler un chemin qui n'est pas praticable. Devinez où est le chemin, franchement. Genre, il faut que je passe par là, quoi. Dans ce petit trou. Allez, c'est bon, j'ai trouvé le chemin pour descendre au bassin. Pas du tout sur la bonne voie en fait, je faisais n'importe quoi. Mais c'est bon, j'y suis. Ah ouais, trop stylé. Wow. Wow, c'est trop stylé. Et même des escaliers, quoi. Les gros bambous.
Et bam! Ah oui, ça c'est du bambou, hein. Oh la vache, c'est trop beau! Oh. Et bah franchement, bassin incroyable, c'est trop trop beau. Là, tous les bambous immenses comme ça, c'est trop stylé. Cascade est cool, et là il y a beaucoup beaucoup moins de monde, là, il y a que deux autres personnes qui sont là. Donc franchement, c'est vraiment sympa pour se poser. Allez, maintenant en route vers le troisième bassin, et je vais pouvoir vous faire ma petite annonce. Allez, je peux au moins prendre les escaliers pour remonter. Oh, c'est bien aménagé, hein, franchement. Oula. Bien grand, hein. Et du coup, deuxième tunnel, c'est excellent. Oh, j'adore. Youhou! En vrai, c'est hyper accessible comme rando parce que les trois bassins sont à, je sais pas, 10-15 minutes de marche. Faut revenir un peu sur ses pas, refaire des trucs. En fait, le truc qui est dur, c'est de trouver où est-ce qu'il faut aller. Mais une fois ça, c'est trop bien et c'est vraiment super beau pour la difficulté. Franchement, c'est top. Tellement sous-côté de se baigner dans l'eau douce. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Je me suis trouvé un petit point tranquille. Du coup, pour vous annoncer que je me lance un défi depuis quasiment début janvier de faire du sport ou de l'activité tous les jours. Et donc j'attendais un peu avant de l'annoncer pour être sûr de ce dans quoi je m'engageais. Mais au final, là pour l'instant, j'arrive bien à le tenir. Je suis super content de moi. Et voilà, donc j'en profite aujourd'hui pour vous partager ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram où c'est là que je partagerai au quotidien tout ce que je fais dans la journée, toute l'activité, etc., etc. Et puis abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos YouTube. Du coup, à chaque fois, on visitera, on voyagera, on découvrira des choses et on fera du sport. C'est vraiment le thème principal. Là, aujourd'hui, j'ai fait une bonne rando. J'ai même en profité pour faire une séance. Et ça sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as découvert plein de choses et que tu te rappelleras de ce spot si un jour tu viens à La Réunion. Allez, je te souhaite une bonne journée et à plus.